Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale sur la démo de Tomb Raider, The Dagger of Xeern. Alors c'était le remake du début de Tomb Raider 2, fait par un fan, Nico Bass. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez la télécharger. Par contre, il est que sur PC. Donc voilà. Allez, on lance le jeu. C'est parti. Nouvelle partie. On va jouer comme ça. Oui. Donc j'ai déjà joué à la démo, j'ai déjà fini et je voulais vous le partager. Comme ça, il y aura moins de chercher par où il faut passer et tout, vu que je sais par où il faut passer. Allez, la petite scène. Ah, ça rappelle des souvenirs. Donc je suis content aussi de retrouver quelques certaines manips comme pour plonger. Hop, voilà. Donc le jeu, comme vous pouvez le voir, il est assez fluide. Par contre, j'ai pas pu le mettre totalement à fond car ma config ne le permet pas. Donc voilà, il y a juste la qualité de la résolution qui est à 90 et la qualité des effets qui est en haut, pas en ultra. Voilà, le flou des mouvements, j'aimais pas trop parce que ça faisait flou quand on tournait. Je préfère que ce soit net, perso. Donc, voilà. Donc, hop, il y a quelques manips qui avaient d'origine, qui ont changé, qui sont largement mieux pour viser avec les flingues, par exemple. Voilà. Et on peut nager plus vite aussi. Hein. Bien sûr. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a carrément plus rien à voir avec le jeu d'origine. Il est largement plus beau. Et il y a ça aussi. Comment on fait? Je crois que c'est comme ça. Non, ça c'est pour tomber. Voilà. Ça aussi, ça me manquait. Dans le dernier, elle peut pas le faire. Donc, voilà. Hop. Vous voyez comme il est magnifique. Bon, déjà je me rappelle même plus par où il faut passer pour ici. Super. Hop. Oh si, c'est par là. Voilà. Alors là, allez, on monte. Et faut aller en face, sûrement. Ouais. Hop. Allez, hop. Ouh, j'ai eu peur. C'était un peu trop tôt. Ah, ça rappelle des très bons souvenirs. Franchement, il se balade, le mec qui a fait cette démo. Youhou. Ah, elle est vraiment magnifique, le jeu. Après, je ne sais pas comment ça va le rendre avec YouTube. YouTube et son encodage de merde qui rend les jeux moches, je trouve. Là, j'ai changé le logiciel de montage, je peux pas faire plus beau en fait. Je peux vraiment pas faire plus beau. C'est impossible de faire mieux. Non, pas par là du coup, par là-bas.
Regardez-moi ces effets de lumière. Ah, la muraille de Chine. On va essayer de pas tomber. Aïe, voilà. On monte. Non, on va aller sur le côté. Voilà, on peut rentrer par là. Et quand on voit rien. Tac, on voit quand même. Donc il y a quelques petits trésors aussi à trouver de temps en temps. Qui sont pas trop mal dissimulés. Je crois pas qu'il y en a ici pour l'instant. On va descendre. Voilà. Du coup. On est dans l'eau. Donc oui, ça j'ai mis un petit moment pour trouver ici déjà. Parce que j'avais pas regardé de vidéo. Et quand on sait pas, on cherche, on sait vraiment chier. Mais comme ça au moins c'est bien rentré dans la tête. Youhou. Allez. Vous voyez, il faut passer par là. Là. Et là. Après, il faut se mettre le dos. Là. Voilà. Attention, ma petite Lara. Comme ça, on peut rentrer. Et on a un bouton pour sprinter. Regardez-moi comme il est magnifique. Pour voir que c'est pas un professionnel qui l'a fait, franchement, je tire mon chapeau. J'ai l'impression d'avoir de jouer à un jeu réalisé par les producteurs, quoi. Voilà, vous voyez, des petits parchemins comme ça à trouver. Ce que je trouve dommage, c'est qu'elle fait pas les qu'elle faisait dans les premiers jeux. Mais bon, c'est déjà bien. On va pas s'en plaindre. Et au fur et à mesure qu'on avance, Lara va se salir. On va voir. La saleté s'accumule sur elle, c'est bien ça aussi. Donc c'est par là. Le fameux corbeau. Ah oui, l'inventaire, je ne vous l'ai pas fait voir. Donc voilà. Un fusil à pompe aussi. Ou un petit trousse de soie. La grande trousse de soie. Et les torches. Et on a des raccourcis avec la croix directionnelle. Faut d'être bon, point de passage, c'est bon. On peut continuer. En fait, le jeu ne prend que sur la carte graphique. En fait, voilà. C'est pour ça que je peux pas le faire tourner à fond. Autrement, c'est sûr que mon i7, il aurait pu faire quelque chose. En plus. On va monter. On va descendre. Encore et encore. En bas, je crois pas qu'il y ait quelque chose. Vous voyez, ça lagouille un peu là. Des endroits, mais bon, on va pas s'en plaindre. Regardez-moi ce paysage comme il est magnifique. Pourquoi on s'en plaindrait? Ah non, c'est pas par là. Regardez-moi les effets sur l'eau et tout.
Il se gave le mec, il se gave. On va aller chercher une clé où il est sous l'eau. Qui part là, si ma mémoire est bonne. Donc la démo, elle est quand même assez longue, elle dure environ une heure, je dirais. On va prendre de l'air un peu. Elle est là-dessus. Voilà. Elle est bien cachée. Voilà. Et je joue à la manette, hein. J'ai oublié de préciser. À la manette Xbox One. Donc voilà. Bon, là, je vais m'occuper directement. On va avoir un ami qui va se présenter. Merci monsieur. On va le recharger vite fait. Voilà. Excusez-moi, je vous spoil un peu parce que je connais un peu. Ça m'est... Je sais pas, je vais me faire mal. Là, j'aime pas, il y a des petites saccades, donc j'ai baissé encore un peu. Mince. Baissé un peu la config. Les ombres. Voilà. On voit pas trop la différence vu qu'on est dans une grotte. Ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air de moins. J'aime pas ça saccader. N'était pas à 60 images secondes en fait, il devait être légèrement moins, mais j'aime pas. Donc après, je recharge déjà mon fusil à pompe. Voilà. Et on passe par là. Là aussi j'ai mis un petit moment à chercher. Par où il fallait passer. Vous inquiétez pas, je vais quand même mourir des fois, je pense. On va passer par là. Youhou. Allez, on se refait le kiff. Ah, ça j'adore. Youhou. Une grande trousse de soins. Ah oui, et donc on peut se soigner aussi directement en appuyant sur une touche. Sur le haut. La croix directionnelle de la manette. Allez, on va avancer. Waouh, même ici c'est magnifique. Bon là, on n'a pas le temps de faire la pirouette. Parce qu'autrement... Boum. On s'était tout cassé en bas. Donc ça n'empêche pas de fouiller un peu, même si je connais le chemin. Voir s'il n'y a pas d'autres trucs que j'avais loupé la première fois que j'y ai joué. Hop. Regardez-moi cette grotte comme elle est belle, avec les effets de lumière. Ah regardez, hop, je suis mort. Eh, je suis pas un pro. Bon, ça va, ça nous remet pas trop loin normalement. Voilà. Bon, on va essayer de la faire sans mourir cette fois, c'est sympa. Du coup. Écrit beaucoup. Hein. Ah, ah. Hop.
Regardez-moi ces effets de lumière. Donc les rayons et tout, c'est pas. Ah, j'avais pas fait gaffe, il y a un truc en face, mais j'ai pas tenté de mourir encore. Il y a une trousse, on dirait. Monte. Là-bas, il y a un truc marron juste vers là où il y a le blanc en fait. C'est pas grave. On continue. Hop. Non, non. Donc juste sur le machin, ça me va très bien. Merci. Voilà. Ah, j'aurais pas dû. C'est vrai. Je me suis fait avoir la première fois. Fusil à pompe, même pas peur. Au moins, c'est radical. On monte. Hop. Et voilà, tout ça pour ça. Regardez. Voilà. On n'a pas fait grand chose de plus. Hein. L'étang. On est rentré là-bas. Et voilà. Ça nous ramène là. Allez. On avance un peu plus. Alors à la bourrine. Non. On va peut-être prendre le flingue là cette fois. Voilà. Ça grouille quelque part, j'entends. Ah oui, nouveauté aussi. Voilà. Une karatéka maintenant. Bon, ça fait pas très joli joli le l'aspect grosse flèche rouge qu'on vise, mais bon, au moins on voit où est l'ennemi. C'est très bien, je trouve. Voilà. Oh, une clé. Je préfère toujours avoir. C'est bien les chargeurs qui restent par terre. Bon, je pensais que ça restait plus longtemps que ça par terre. Mais bon, c'est déjà bien. Ah, la musique, on dirait qu'il y a des araignées. Vous êtes où? Ah, vous savez. Voilà, la musique s'arrête quand il n'y a pas d'ennemis. Comme avant. Je crois. Je préfère rester toujours avec mes flingues chargées à fond en plus. Donc voilà. Par où il faut passer, par là-bas, je dirais. Non, ça a pas voulu. Ça a pas voulu. Donc, faudrait que je fasse quoi? Bah là, tout simplement, peut-être. Du coup. Excusez-moi, je viens d'avoir un petit coup de téléphone, donc on reprend, on attaque. Hop! Youhou! Hop! Voilà. On se baisse.
On avance dans cette ambiance de Tomb Raider. Clé rouillée. Ah oui, c'est pas ça ce que j'aime pas trop. Non, c'est pas grave. Voilà. Et ça, c'est un truc qui manque vraiment. Mais vraiment dans les autres Tomb Raider, les nouveaux. Voilà. Avec le stress et tout, des pièges à l'ancienne, comme on voit dans les films. C'est ça qui manque. Du coup, on refait marche arrière. Hop. Parce qu'en fait, il fallait aller par là-bas. Tombe pas, tombe pas. Araignée de... Bon, je vous avoue que je suis pas passé par là la première fois, j'ai pas vu qu'on pouvait aller par derrière. Exterminateur d'araignée. Pour ça. Mais bon, ça peut servir. Ah, franchement, je kifferais qu'il fasse le jeu entier, quoi. Voilà, maintenant on peut descendre. Ok. Et voilà. Regardez, elle s'est salie un peu déjà. On peut zoomer. Vous voyez? Elle est plus propre. Elle est plus du tout propre comme tout à l'heure. Ah, voilà l'énigme qui m'avait fait vraiment officiellement chier. Là, franchement, j'ai passé plus d'une heure à savoir par où il fallait passer, qu'est-ce qu'il fallait faire. Ouf, du coup, j'ai loupé. En fait, c'est une logique. Pas une logique. C'est le truc après. Je peux faire le tour. C'est pas arrière. Voilà, par là. Allez, on va monter. Décaler, ouais, bon, c'est bon, en fait. Si on montait là-haut, on irait plus vite. Parce que là, un appui pour ses pieds. Donc, j'ai fait ça pour déverrouiller la porte qui se trouve ici. Pour pouvoir monter ça. En sachant que la porte, comme vous avez pu le voir, il n'y a rien derrière. Hop, allez. On va faire tout le tour maintenant.
travailler, c'est tranquille en fait, quand on le sait. Tac. On monte là. On s'accroche là. Là. Hop, il faut pas tarder, parce que trop long. Vous pouvez le voir, ça fait bobo. Alors moi ce que je conseille c'est... Tac. On va passer par là. Là. Voilà. Tout simplement. On a fait tout ça pour faire tomber ça. Donc j'ai envie de vite fait vous faire voir le chemin par là. Voilà, tout simplement. Monter une échelle. De l'autre côté, là. C'est le vide. Et on se retrouve là. Voilà, tout simplement. Hop, on va se lâcher là. Donc maintenant, il faut faire en bas. Donc comme vous pouvez le voir, la porte que j'ai ouverte, c'est ça. Il n'y a strictement rien. Il n'y a rien du tout. Faut descendre. Et ce passage, c'est pas un des plus faciles. Youhou. Hop. C'est vraiment pas simple. J'arrive pas à la faire pencher de l'autre côté. Bizarre. C'est pas grave. Voilà, je vais tomber de ce côté. Point de passage. Et voilà les amis, on a fini la démo. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi franchement, personnellement, merci Nicobas, t'as assuré, t'as fait une putain de démo de taré. T'as dû travailler pendant je sais pas combien de temps. Et ça valait le coup, hein, franchement. Tu peux continuer, s'il te plaît. Continue. Fais le jeu complet. Donc voilà, les amis. Bon, moi je vais vous laisser là. Il n'y a pas d'autres scènes cinématiques, il n'y a rien du tout. Donc voilà. Allez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À liker la vidéo un max. Ou à commenter pour me donner votre avis sur la démo. Tout simplement. Allez, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye.